Bonjour, monsieur le ministre Ahmed Bakayoko. Bonjour, le père de Arafat Didier. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour l'honneur digne rendu à notre cher Arafat Didier, notre héros national. Vous êtes un vrai père. Vous avez accompli votre part. Et toute la nation ne peut s'en passer de ça. Pourquoi? Parce que nous avons vu ce que vous avez fait, vos gestes. Et c'est avec le cœur, la main sur le cœur, que moi je vous dis merci. Je vous dis merci. Et en même temps, vous demandez, au nom de la population ivoirienne, au nom des fans d'Arafat Didier, vraiment vous dire désolé. Pourquoi? Parce que vous avez perdu votre fils. Mais en même temps, après l'enterrement de votre fils, voici ce drame qui vient d'arriver où le corps de votre fils a été déterré par ses fans. C'est très triste. Nous ne vous remettons pas en cause, mais vous aurez dû prendre des mesures pour éviter ceci. Pourquoi? Parce que avant les obstacles funèbres, il y a eu plusieurs communiqués que la sécurité garantit tout ça. Comment il se peut qu'après l'enterrement, juste à quelques minutes après, que vous quittez le lieu, le corps de votre fils soit déterré? C'est déplorable. Je ne vous en veux pas. C'est l'esprit de fanatique qui a poussé à ce vandalisme-là. Mais je vous prie de prendre toutes les dispositions afin de sanctionner tous les auteurs de ces crimes et que la justice soit faite pour le repos de l'âme de notre cher aîné Arafat Didier.